Good morning, Aliden. Et tu seras aujourd'hui le lunch matrivka, batsara, rachel, rachel, batsara, piki, batsara, sterilisa, lisa, bat, frecha, zara, bat, mazal, tov, shish, batish. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perek, He, Mishnah Aleph. Hayo, bodgin, oto, beshava, hakirot. Beize, shavua, beize, oshana, beize, ochodesh, bekama, ochodesh, beize, yom, beize, osha, beize, makom. Rabbi Yossi Omer, beize, yom, beize, osha, beize, makom. מכירים אתם אותו? התראיתם בו? העובד עבודה זרה את מי עבד ומי עבד? למשנה נוסעים היו בודקים אותו באותן, בשבע חקירות On interrogeait les témoins avec sept questions de חקירה. On a déjà eu l'occasion d'évoquer trois sortes de questions. Ce qu'on appelle les חקירה, דרישה, חקירה, בדיקה et d'autres questions annexes. Veshalta etev, dans le pasuk. Il y a marqué, il y a plusieurs endroits dans la Torah où la Torah ne s'est pas contentée de nous dire lorsqu'il fera cette action, tu condamneras à mort. Mais la Torah, il y a dans Irani Dachat, il y a dans le Messite, il y a une troisième paracha aussi, où la Torah insiste en nous disant tu analyseras bien et tu vérifieras qu'effectivement il a transgressé cette grave faute. Là-bas, on apprend de sept mots Chakira, Darashta, Drisha, Bdika, Chakira. Sept mots supplémentaires qui ont été rapportés dans le Bartanora, on apprend sept questions de Chakira à poser. La Chakira, l'enquête, en réalité, ça n'a aucun rapport avec l'enquête, c'est uniquement des questions qui vont permettre de situer l'action avec un référentiel de lieu, référentiel de temps, situer exactement quand et à quel moment et où s'est passée l'action. L'intérêt de ça, c'est par rapport au dîme de Hazama. On va en parler dans quelques secondes. D'abord, on traduit la Mishnah. Hayu bodkin oto beshevach chakirot. On lui posait d'abord sept questions de chakira. Qui sont? Be'eize shavua. À quel shavua, c'est pas semaine, mais quel septena? Ouais, le cycle des années, il est en... Il y a le yovel tous les 50 ans, mais aussi tous les 7 ans. Il y a troisième année, quatrième année, sixième année du yovel, de la Shemitah. Be'eize shana. Quel année, donc à quel septena ça s'est produit, et après quelle année précisément ça a été, be'eize chodesh, à quel mois ça s'est produit, be'kama be'chodesh, quelle date du mois, c'est-à-dire quel jour du mois ça s'est passé, be'eize yom, quel jour de la semaine, be'eize sha'a, à quelle heure, et be'eize makom, dans quel lieu, à quel lieu ça s'est passé l'action. Rabbi Yossi Omer, selon Rabbi Yossi, il faut alléger les questions et dire uniquement Be'ezayom, quel jour, Be'ezo Sha'a, quelle heure, Be'eize Makom, dans quel lieu. Quelle est la discussion d'abord entre Rabbi Yossi et Tanakama? C'est simple. D'abord, il y a un intérêt concret, clair, pour lequel on a besoin de poser des questions, de savoir quand c'est passé exactement. C'est que tout témoignage doit nécessairement être possible de le faire, le dit de Hazama. Il faut que tu t'avances en disant que ça s'est passé dans tel lieu et à tel endroit, et de laisser la possibilité à ce que l'on vienne te contrer en disant comment tu peux dire que tu as vu l'action qui s'est passée à Yerushalayim, vendredi 15 Tevet. Comment tu peux dire que ça s'est passé, qu'il y a eu ça jeudi 15 Tevet à Yerushalayim? Comment tu peux témoigner puisque ce jour-là, tu étais avec nous à Paris, donc tu n'as pas pu être là-bas? Donc il y a une nécessité, c'est ce qu'on appelle le din hazama. Et dans ce cas-là, la condamnation sera que ce que tu as voulu faire, on lui fera lui au témoin. Ça, c'est le din de hazama, c'est une manière particulière de contrer les témoins. On aura l'occasion d'en parler surtout dans Masechet Makot. Partant de ce principe, tout témoignage ne peut être reçu au Bet Din uniquement si tu nous l'as situé en temps, en espace-temps et en temps et en lieu, d'accord? Ensuite, donc, d'où la raison pourquoi Rabbi Yossi a réduit les questions à trois questions uniquement. Quel jour, quelle heure et quel lieu? Maintenant, Chachamim pense qu'il faut malgré tout lui casser la tête et lui faire remplir tout un formulaire complet en lui posant des questions qui vont l'user. Chachamim, dans la Gemara, raconte combien il fallait fatiguer les témoins. Après les avoir interrogés, on les prenait, on les transportait, on les amenait dans une autre pièce, on recommençait à les interroger, et on leur, comme ça, on faisait, on rendait la situation très lourde, comme les interrogatoires de police, où en réalité, on a en plus
des informations, enfin, pour là-bas, en plus des informations qu'on veut tirer des témoins, on a envie de les user moralement, au point où s'ils mentent, qu'ils finissent par craquer et dire la vérité. Donc on leur faisait, d'accord, pour faire monter la pression, on leur posait des questions. Redis-moi de nouveau à quel septennat ça s'est passé, quelle année du septennat, dans quelle... D'accord ? Et Rabbi aussi vient de dire, non, concrètement, ces questions, on les pose uniquement pour situer l'acte. Et ça suffit de dire à quelle heure. Si finalement je te dis hier, et ben ça y est, hier, t'as bien compris qu'on est dans le septennat, peu importe dans quel septennat on est, c'est pas mon problème. Ça s'est passé hier, il y a moins de 24 heures. Et sur ça, donc Rabbi me dit que non, malgré tout, t'es obligé de situer, d'accord ? Ensuite, après avoir posé ces questions d'abord pour situer l'acte, après, on va lui demander « Mekirin atenoto, vous le reconnaissez ?» Qui ? On parle de, par exemple, si c'était un meurtre, la personne qui était tuée, est-ce que vous le connaissez ? Vous êtes sûr que c'était un juif ? Parce que si un juif tue un goy, il n'est pas chayav mita. Il y a bien sûr un interdit, un grave interdit même de tuer. Mais en tout cas, il n'y aura plus l'interdit qui sera condamnable à mort. Alors, Makirin Atanoto, t'es sûr de ton coup, qu'il était vraiment, à part ça, t'es sûr que c'était un homme viable, peut-être que c'était quelqu'un de très malade qui était sur le point de mourir de toute façon. C'est pas qu'on avait le droit de le tuer de nouveau, on a transgressé un interdit, mais malgré tout, c'était quelqu'un de ta rêve. Il y a des halachot sur tout ça. Ensuite, Itretembo, vous l'avez dit, la traa, vous l'avez averti, il y a une halacha particulière, ça c'est important à savoir, on ne condamne à mort que si l'accusé a transgressé en étant à chaud complètement. On l'a averti au moment de l'action, on lui a dit « Tu sais que c'est interdit de transgresser le Shabbat et tu oses fumer ou tu oses trier pour avant de ranger, d'accord ? Peu importe. Tu oses presser ton chiffon. » Les gens ne savent pas que ça sonne de presser un chiffon le Shabbat pour nettoyer une table, par exemple. Dès qu'ils vont prendre un chiffon, selon le cas, ça peut être un grave interdit. On peut transgresser un interdit de Raïta si c'est un chiffon en tissu. Pas synthétique, de fibres naturelles, coton par exemple, et sauver quelque chose, c'est très grave. Alors, vous dites qu'il a transgressé cet interdit-là, est-ce que vous l'avez prévenu ? Il faut le prévenir au moment de l'action en lui disant « tu sais que tu transgresses un interdit qui est condamnable à mort ». Et plus que ça, il faut même lui préciser quelle avéra il va faire. Tu n'as pas le droit de condamner parce que, par exemple, on a parlé le cas des saurer un linge, et saurer un linge, c'est un interdit « Mishum Melaben », c'est un des 39 travaux du Shabbat, « Melaben », de ce fait, tu sais bien. Et pire que ça, il y a même la Gemara précise qui doit recevoir la hatra, l'avertissement en disant « Oui, je sais que c'est interdit, et malgré tout je fais. » Il faut dire tout ça. D'où on apprend qu'il y a l'importance d'avertir. C'est aussi bon à savoir, ça fait partie de la Torah qu'on lit à Chumash Vayikra, les morts, je ne sais plus, Kedoshim plutôt, et on le lit à Yom Kippour. Là-bas, dans le passouk, il nous parle des harayot, de l'inceste, et nous dit « Et si un homme ira avec sa sœur ?» Le passouk nous dit « Vera et ervata » et il a vu la nudité de sa sœur. Quel était l'intérêt? Si elle n'a pas vu la nudité, c'est les dents noires, alors quoi, il est plus condamnable à la mort? Non. « Vera et ervata » c'est qu'il a une vue sikhlite. On l'a bien averti que c'était très grave. Il a dit « Oui, je sais, je fais quand même. » C'est que dans un cas pareil qu'on condamne à mort. De là-bas, on déduit la hatra, c'est un fantaisie dans le Tosot Yom Tov. D'accord? Ensuite, « Aoved Abodazara » s'il a transgressé il a fait de l'idolâtrie, il a transgressé la Avodah Zara. Et mi avad, qui a-t-il servi? Quel Avodah Zara? Il y a plein de Avodah Zara. Il y a Peor, Marcoulis, à notre époque, je ne sais pas ce qu'il reste, à part Bouddha et l'acrobate. D'accord? Et mi avad, qui a-t-il servi? Ou bah, mais avad, de quelle manière il l'a servi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a plusieurs halachot. Je ne sais pas, qui tellement pour le moment, c'est l'Afrique, c'est vraiment un Sanhedrin qu'on va parler plus longuement ensuite. De quelle manière? Il y a la Avodot, s'il a apporté un sacrifice, s'il a fait un... De quelle manière il l'a servi, d'accord? Ou le Rambam rapporte sur ça. Idem aussi, si vous dites qu'il a transgressé Shabbat, quelle avéra de Shabbat? Est-ce que vous il a fait quoi? Il a essoré un linge, alors c'est quoi le problème de essorer un linge? Ah, c'est un interdit, mais je vous mets la benne. Laver le linge, c'est un des interdits, donc une des actions, c'est de presser un linge. D'accord? Et on a fini la Mishnah, on fait le Barthé droit. Ayubotkinotan, on les interrogeait. Achar sheimu aleihen ayubotkinotan. Après qu'on les a avertis, qu'on leur a fait peur, comme dans la Mishnah précédente de la fin du Perek Dalet, alors on les interrogeait. Besheva hakirot, avec 7 questionnements. Keneged shiv'a leshonot sheneemru bamikra, en corrélation avec les 7 expressions utilisées par le verset. Bechayve mitot bet din, que le pasuk utilise
pour les condamnations à mort. Comme le pasuk dit, Vedarashta vechakarta vechalta etev. Un premier verset dans Dvarim Yud Gimel, je crois que c'est Parashat Shoftim, on parle de la ira nidachat, si je ne me trompe pas. Vedarashta, et tu enquêteras, vechakarta, et tu analyseras, vechalta etev, et tu questionneras bien. Arekan shalosh, il y a trois mots qui ont été dit. Darashta, chakarta et etev. Vechalta, par contre, le mot vechalta, et tu questionneras. Enominaminian, il ne fait pas partie de ces actions. Pourquoi? Parce que il ne fait pas partie de ces questions parce que lui, chez lui, la menob dikot. Parce que de là, on a appris qu'il faut aussi faire des dikot, bien analyser l'action en précisant et la transgresser Shabbat de quelle manière, quel melacha, qu'est-ce qu'il a fait exactement. Au bibkom acher ou omer, donc on a déjà trois. Dans un autre endroit, le pasuk nous dit vehugad lecha veshamata vedarashta etev yesh kan shnaim acherim vehugad lecha. Non. Et on te racontera, je crois cette fois-ci qu'on parle dans Yudzaïn, probablement on parle du Messite, celui qui influence, à part la Irène et Dachat, c'est la cité maudite, et le Messite c'est celui qui influence un autre à faire une Avera. Là-bas on retrouve de nouveau cette expression en disant Vedarashta etev, et tu analyseras très bien, ça fait deux mots supplémentaires, donc on était à trois, ça fait deux supplémentaires, ça fait cinq. Alecha Chamisha, Obimkom Acher, dans un autre endroit il nous dit encore Vedarshu Ashoftim Heitev, et les juges seront dorshim, analyseront, enquêteront bien. Deux mots supplémentaires. Shnaim acherim, arekan shiva. Ça nous fait deux supplémentaires et on est arrivé dans tout. Dans sept. D'accord? Je suis en train de chercher dans le Irani Dachat. Bon, c'est plus précis. On continue. Le Vartedra. Beno Shavua, Shavua. À quel septena shen yovel, c'est-à-dire étalé sur les 50 ans. Dans quel septena des 50 ans? Dans quel Shemitah? On compte les Shemitot. Il y a 7 Shemitot dans un Yovel. Be'ezo Shana, quelle année Shel Shavua du septena? Be'ezo Yom, à quel jour Shel Shabbat? Quel jour de la semaine cette fois-ci? Be'ezo Shana, quelle heure Shel Yom? Shekol Shel Hakirot Alalu Mevi'ot Lotan Lidei Azama. L'intérêt de ces 7 questions est d'amener les témoins à pouvoir être aptes à être contredits, contrés avec le din de Hazama. Veshema en edim la haziman le kol hayom. Et quel est l'intérêt dans ce cas-là de préciser, mais dis-moi uniquement quelle journée? Non, il faut préciser quelle heure de la journée, quelle partie du jour en tout cas, pour que je puisse dire, ah, mais le matin tu étais avec moi à Jérusalem et pas à Paris. Parce que peut-être que s'il disait uniquement le jour, il aurait peut-être pu répondre, c'est vrai que j'étais avec toi à Jérusalem le matin, mais je n'étais pas avec toi à Paris l'après-midi. Mais l'après-midi, j'ai eu le temps de rentrer d'arriver à Paris et de là-bas de témoigner. Donc c'est pour ça qu'il faut préciser l'heure pour que tu dises, ah, tu dis que le matin, tu étais à Jérusalem, le même matin, tu étais avec moi à Paris. D'accord? Ensuite, Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi, réduit ça à trois questions uniquement. Il ne suffit de poser que trois hakirot, trois questions qui sont Beze yom, quel jour, Beze sha, à quelle heure de la journée, Beze makom, en quel lieu, Ven al hakir Rabbi Yossi. La halakha n'est pas établie comme Rabbi Yossi. Elle a filo amouaedim etmol argo. Mais si les témoins disent même hier il a tué, hier, aujourd'hui on est, peu importe, lundi, donc hier c'était dimanche, eh ben non. Ça ne suffit pas. Bodkin, Otan, Meshéva, Chakirot, on va les interroger en leur posant les 7 questions. Kedesh et Titeref, Da'atan, Aleyen, afin que leur esprit soit troublé. Veyodou, Imiesh, Psoul, Bedoutam, et qu'ils reconnaissent si toutefois il y a un Psoul, Bedoutam. Une anomalie dans leur témoignage. Makirin, Aten, Moto. Ensuite, on leur posait la question, est-ce que vous le connaissez? À qui? À Harug, celui qui a été tué. Shema Oved Gilolim ou Vezoena Minachag. Shema Oved Gilolim, peut-être que c'est un goy sur lequel on n'est pas condamné à la mort. Vezoena Minachakirot Shemeviot Lidazama. Cette fois-ci, on n'est plus dans la partie qui s'appelait les Chakirot, l'interrogatoire des Chakirot, puisque c'est plus nécessaire pour lui faire le dinazama. Elle a Kishar Dikot, mais c'est comme les autres questions qu'on lui pose. Sheena Nela Lassot, Edut Mukreshet. Afin de pouvoir voir est-ce qu'ils allaient se contredire, comme on allait voir dans la prochaine Mishnah, on va expliquer quelle est la différence essentielle entre les drishot et les chakirot, entre les chakirot et les bdikot. Si un témoin dit qu'il ne sait pas répondre, est-ce que ce sera une bonne réponse ou non? D'accord? Et là, la sot a edut mukreshet shema lo yomar aichad kedivrei chaviro, de peur que l'un ne va pas dire comme ce que son ami a dit. D'accord? Pour vérifier, c'est-à-dire, bon,
en plus, donc je reprends, en plus des questions qu'on lui pose de situer l'acte, on va lui poser des détails sur l'action, on va rentrer dans plusieurs détails même. Pourquoi? Pour vérifier qu'il n'y ait pas de contradiction. Si un va nous dire, ouais, il a tué, il a sorti son revolver, il lui a tiré dessus, et l'autre va dire, non, il a sorti un couteau, il l'a planté. Ben, vous êtes en train de vous contredire. Ça, ce sera une contradiction dans les bdikot, pas dans les khakirot. Vehu, vehen, yupturin, dans un cas pareil, les deux parties seront, et les deux témoins seront, les témoins ainsi que le condamné, que l'accusé, seront tous disculpés. Etmi avad, s'il a fait de l'avodazara, qui a-t-il servi? Quel avodazara? Les peor ou les marculus, ces deux sortes de avodazara, peor et marculus. Ou bamé avad, de quelle manière l'a-t-il servi? Beziboar ou beishtachavaya, en lui offrant une offrande ou bien en se prosternant à lui. Et donc tout ça, c'est les chakirot. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de la zara, comme tout c'est là.